Salut là-bas. Les unités des forces armées russes sont passées à l'offensive sur certaines parties du front dans la région de Zaporijjia. Il est rapporté par Printemps russe. En particulier, sous le contrôle opérationnel de l'armée russe, 4 localités ont été prises dans la région de la ville d'Orek. Il est à noter que les forces ukrainiennes ont tenté d'arrêter l'avancée des troupes russes par le feu d'artillerie, mais ont été repoussées. Auparavant, le président du mouvement, Nous, avec la Russie, Vladimir Rogov, a déclaré que les forces armées russes ont avancé de 7 km sur la direction de Zaporijjia, une opération militaire spéciale. Avant cela, le ministère russe de la Défense a annoncé la poursuite de l'offensive des forces russes dans la direction de Donetsk. Selon le président officiel du ministère de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov, les troupes russes ont infligé une défaite par le feu à des parties des forces armées ukrainiennes stationnées dans les zones des villages de Galtsinivka, Krasnogorovka et Novalsky, dans la République populaire de Donetsk. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Likez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.